Bonsoir, ici Annie France. On m'a dit juste un petit mot. Donc, je suis venue à la collecte solidaire en faveur des sinistrés de Fiona. Ils sont à Colin et j'habite à Montebello, Petit Bourg. Donc, il faut leur dire force, courage, je pense à eux. J'ai pu venir, j'ai fait acte de bienveillance, j'ai donné, je suis contente pour eux. J'espère que ça va arriver à bon escient. Nous avons besoin de force là, courage. Nous qui continuons à aller la vie. On a un problème qui arrive, mais il faut nous surmonter. Il faut nous surmonter, il faut nous ouvrir devant. Alors, j'envoie un big force pour les sinistrés de Capesterre, Royave, Basse-Terre et Tchimbéré, des Pamoli. Hein. C'est en force à ravoyer Bazon. Voilà. Bon courage. Oui, bonjour. Nous sommes à Colin pour notre dernière opération de solidarité en faveur des sinistrés de Fiona. Nous sommes à Colin devant l'enseigne Colipri. Pour cette dernière opération. Donc, comme vous le savez, hein, nous avons suffisamment publié nos sorties. Donc, depuis 4 semaines, nous sommes sur le terrain. Nous avons sillonné la Guadeloupe et les nœuds de sinistre pour venir au secours des personnes sinistrées. Nous remercions vraiment fortement la population de Petit-Bourg, la population de la Guadeloupe, qui s'est montrée très généreuse et très solidaire par rapport à notre action. Donc, un gros remerciement avec mon association Force API Guadeloupe, avec Tous Réunis, avec Tropical Dancer, avec Lianage Bocaz. Eh bien, nous avons mené cette action en commun, en collégialité, pour faire notre part, de notre part de soutien, de solidarité en faveur des sinistrés. Donc, merci encore. Merci aussi aux commerçants. Je parlerai au nom de Petit-Bourg, des commerçants de Petit-Bourg, qui ont fait aussi le geste et qui se sont montrés solidaires. Merci à la Guadeloupe. Merci à tous. Oui, eh ben, bonjour Guadeloupéen, Guadeloupéenne. Eh ben, on est, comme a dit Pascal, on est à Colin, Petit-Bourg, à Colipri. Et ben pour faire notre dernière action de solidarité, parce qu'on a quand même déjà fait 5. Donc là, c'est notre dernière. Parce que enfin, nous, ça nous tenait à cœur de faire ce geste pour les sinistrés. Et nous remercions vraiment. Merci à tous ceux qui ont fait don, tous ceux qui nous ont soutenus. Lagouba. On remercie aussi Monsieur Bibrac, Sab. On remercie aussi le Libre Service de l'AG, Libre Service Pioche et aussi PO Service. Donc on les dit merci. Et surtout merci, un grand merci à Colipri qui nous a permis de nous installer sous le parking. On les remercie. Nous invitons à tous les Guadeloupéens, Guadeloupéennes à faire le même geste que nous en faveur des sinistrés. Même s'il n'y a pas d'association, mais aller chez les gens, les donner, les amener des vêtements, c'est un bon geste de solidarité. On vous remercie vraiment et on vous dit encore merci une fois. Au nom de toutes les associations que Pascal a citées, on vous dit merci. Merci, bon. Alors effectivement, alors moi je suis Jimmy Aobo, président de l'association Tropical Lanzar de Bimao. Effectivement, nous avons organisé notre collecte à Bimao en collaboration avec Aïkafet, Aïkafet 971 et l'association Berceau de Moïse. Et de plus là, nous sommes intégrés avec Tous Réunis, Léonage Bocaz. Presque tous les samedis, nous traversons cela parce que Fiona vraiment est passée. Et on ne pouvait pas rester insensible à cela. Et nous sommes là et nous continuons. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le dernier. Mais nous continuons et nous disons que on remercie la population de la Guadeloupe de nous avoir soutenus pour leurs actions, pour leurs dons. Merci. Donc, nous sommes dans notre dernière collecte solidaire en faveur des sinistrés de la tempête Fiona. On a tous vu les images désastreuses. Et donc, il était pour nous très important de solliciter l'ensemble de nos adhérents, de nos militants, des associations qui nous accompagnent pour mener cette magnifique élan de solidarité qu'on connaît très bien en Guadeloupe. On sait que la Guadeloupe est très solidaire, le peuple guadeloupéen est très solidaire. Donc, il a fallu constituer un groupe
qui a permis de mener collecte sur différentes communes, à Bemao avec l'association Tropical Nunzar qui a ouvert le bal, Petit Bourg avec Force API Guadeloupe, au Lamantin avec Lionage Bocaz, à Sainte-Rose avec l'association Le Carrousel. On est encore à Petit Bourg aujourd'hui. Et surtout, tout ça qui représente le collectif Tous Réunis, un magnifique collectif de coopération pour faire en sorte que les choses puissent s'améliorer en Guadeloupe et avancer. Donc, c'est une magnifique image aujourd'hui. C'est notre dernière. Et donc, nous irons au cours de la semaine faire cette distribution. Mais il est très important, pas seulement le geste de voir qu'on donne aux gens, mais c'est un soulagement financier pour leur permettre de créer d'autres investissements pour aller acheter une machine à laver, pour acheter des meubles qu'ils ont perdus. Ils peuvent acheter à manger. Hein, ça, c'est pas le plus gros budget, mais c'est leur permettre un soulagement pour créer un financement et pour leur permettre d'aménager pour leur maison, etc. Voilà. Merci beaucoup.